wanna shine and I gotta let it show. Show up on the scene, walk right through the door. Got a nigga on repeat, it's my double up flop. Vibrate the whole building, name ringing through. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Virtuos. J'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo d'information assez importante. Alors comme vous le savez, hier matin, les serveurs de GTA Online étaient inaccessibles sur toutes les plateformes. Rockstar n'avait pas divulgué d'informations à ce sujet-là, mais je pense que c'était entre guillemets une petite maintenance. En tout cas, la maintenance qu'ils ont réalisée, si jamais c'en était une, a été très très fatale pour certains joueurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors hier, en me connectant sur Twitter, j'ai reçu pas mal de messages de mes abonnés disant que les serveurs de GTA Online étaient inaccessibles, etc. Je me suis donc dit, bon allez, je vais voir sur le site de Rockstar Games pour voir les statuts des serveurs. Sauf que les serveurs allaient super bien et j'ai pu me connecter sur GTA Online. J'ai dit que je pouvais me connecter, du coup la personne a réessayé, bah les personnes ont réessayé et ils pouvaient se connecter. Une fois qu'ils étaient connectés, là ça a été très très dur pour eux, car certaines personnes ont vu leur compte en banque vidé. Alors une personne m'a dit qu'elle avait perdu 100 millions de dollars. D'autres personnes sur Facebook m'ont dit qu'ils avaient perdu des centaines de milliers de dollars ou même des millions de dollars. Alors vous l'avez très très bien compris, cette sorte de petite maintenance n'a pas servi à rien, puisque Rockstar s'est vraiment confronté à toutes les personnes qui avaient beaucoup trop d'argent sur GTA Online. Moi j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai été épargné. Vous savez très bien que j'ai énormément d'argent sur GTA Online, mais Rockstar m'a entre guillemets épargné. Je n'ai pas perdu d'argent, en tout cas pas pour le moment. Mais attendez, ça ne s'arrête pas seulement aux pertes d'argent, ça va quand même jusqu'au bannissement à vie de certains joueurs. Alors là c'est uniquement sur PC, donc les joueurs se connectant sur GTA Online PC découvrent un message très très dur à recevoir: vous êtes définitivement banni de GTA Online, retournez à Grand Theft Auto 5. Alors là c'est même pas un bannissement temporaire, donc on a pu voir dans de précédentes vidéos que Rockstar pouvait aller ban jusqu'à 30 ans sur GTA Online ou même 200 ans. Là c'est ban définitif de GTA Online, donc c'est même plus la peine d'essayer de pouvoir jouer à GTA Online. Même dans 200 ans ce sera impossible. Alors je trouve ça encore une nouvelle fois dégueulasse. Je sais vraiment pas ce qui se passe dans la tête de Rockstar en ce moment, mais je pense qu'ils en ont vraiment marre. Donc vérifiez bien votre compte en banque, ou si jamais vous avez perdu quelque chose, je vous conseille vraiment d'aller le signaler à Rockstar. Et il y a aussi certaines personnes qui ont perdu les véhicules, la Roosevelt, etc., alors qu'ils l'avaient acheté, qu'elle était dans leur garage. Là il y a un lien très particulier que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo d'information. J'espère vraiment qu'elle vous aura fait plaisir. Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye tout le monde.